De cette 72e édition de Paris-East. On rappelle que l'épreuve avait été créée en 1903. Le premier vainqueur était belge, c'était Kenneth qui avait été le premier vainqueur de l'épreuve. C'est un champion azuréen qui avait gagné l'épreuve, qui est premier vainqueur de l'épreuve. Nous étions alors en 1935 et c'était le très populaire. Qui s'impose le champion du monde, malheureux dans les derniers hectomètres. Rui Alberto Costa termine deuxième à 14 secondes. Arthur Michaud est troisième de classement général à 20 secondes. Rodrigo Kim Roras est quatrième à 21 secondes. Jacob Fulsang est cinquième à 29 secondes. Et le Stéphane de Nicole avec un retard de 30 secondes. Et le voilà le vainqueur, il est encore en rouge. Arthur Michaud, champion de France, vainqueur de l'étape de 10. Arthur Michaud qui va être félicité donc par M. Christian Strozzi, député maire, président de la métropole, qui va donc remettre le trophée, la médaille va être remise. Voilà M. Christian Strozzi qui vient de remettre le trophée de la médaille de vainqueur va être remise par Elsa. Donc maintenant, voilà un moment très fort donc, pour le coureur donc, de la formation FDJ Quaper de Bala, le bonheur de gagner à Nice, la dernière étape de la 72e édition de Nice. Le dernier coureur de la formation. Allez, toutes les dernières, la folie plus grande. Arthur Michaud, champion de France, le rouge. C'est la première des journées pour le plus grand bonheur de Christian Strozzi, le député maire de la ville de Nice, président de la métropole, qui lui a remis donc le trophée de la ville de Nice. Et Arthur Michaud, on le retrouvera tout à l'heure sur le podium, puisqu'il recevra et donc votre récompense, puisqu'il termine sur le podium. Voilà, donc Arthur Michaud qui quitte maintenant le podium protocolaire. Il a été félicité par Fabrice Rénal, responsable sponsoring et relations. Voilà, bien, c'est une première avec un vainqueur colombien, Carlos Alberto Betancourt. Voilà, vainqueur de l'épreuve de France de l'équipe H2R la mondiale, qui va recevoir maintenant donc, le maillot jaune de vainqueur, qui lui est remis par M. Christophe Juguet, directeur du réseau Méditerranée SL. Voilà ce coureur colombien qui savoure, qui concourt également pour le classement de meilleur jeune, qui est allié par Bernard Hinault, qui connaît évidemment la remise et la manière de recevoir ce maillot jaune SL, le petit lion qui symbolise la victoire et l'ovation du public de Nice à Carlos Alberto. Le grand colombien, vainqueur de la réforme de l'équipe. Vainqueur autour des Arménas, vice-champion du monde dans la catégorie espoir, il reçoit maintenant le trophée donc, de vainqueur de cette 72e édition de Paris-Nice. Et regardez, Carlos Alberto Betancourt est bien parmi la plus belle ville de France des Nice, car c'est là qu'il obtient sa première grande victoire internationale. Voilà, on va du côté de la Colombie, Bernard Hinault qui connaît bien les champions colombiens, et il y a quelques dizaines d'années de cela, autour du cyclisme colombien, sur le monde européen. Maintenant, nous allons. Voilà, et c'est Maggie Sattler, donc directrice marketing Burster, qui rejoint le podium, et c'est Daniel Sesenberger, directeur commercial Burster, qui remet le maillot blanc, c'est le meilleur jeune. Par Burster Campicard, au vainqueur final de Paris-Nice. Vous l'avez applaudi tout à l'heure. Vous pouvez l'applaudir à nouveau, Carlos Alberto Betancourt, qui reçoit maintenant le trophée de meilleur jeune. Par Burster, après le maillot jaune,
Le maillot blanc, donc, pour le coureur Carlos Alberto Betancourt avec le bouquet belle fleur blanche et les félicitations de Daniel Sessenberger, directeur commercial Mercer, de Maggie Sandler et celle également de Christian Esposi, le député maire de Nice que l'on a plaisir à retrouver comme chaque année avec des conditions météo idéales et un titre donc à Michel Jean-Floc qui va remettre à l'État le meilleur soir de meilleur trainer travaillé par le groupe Jean-Floc. Et dans le premier volet, c'est Michel Chérel. Le maillot jaune. C'est donc une sélection par l'arrière, on le voit avec Ravier. On voit avec l'explication sur les deux premiers du classement général. Riacerto Costa, qui fait la victoire des étapes. C'est ça, Benny, une victoire.